Victoria Dobrevander de CollectMet. Alors, comment est la situation aujourd'hui? Parce qu'avec le coronavirus, c'est un peu plus compliqué. En effet, c'est très très particulier. J'avoue que j'ai jamais vu le marché comme ça. Mais on a décidé de continuer nos activités parce que les gens ont toujours besoin de manger. Donc voilà, c'est particulier, mais on a pris les précautions pour que ça se passe bien, pour éviter de continuer à propager le virus. Donc voilà, on fait de notre mieux pour que tout se passe bien. Et pour les bénévoles, des mesures spéciales ? Oui, absolument. Donc on a du gel désinfectant pour tout le monde. Tout le monde prend des gants. Personne ne se dit bonjour avec les pieds. On garde nos distances pour éviter. Et alors aussi au niveau des bénévoles plus âgés, il y a certains bénévoles qu'on a renvoyés chez eux parce que c'est des personnes plus à risque. Donc voilà, on va travailler avec ceux qui sont, on va dire, plus en forme et qui sont moins à risque d'avoir le virus. Et pour le stockage aussi ? Pour le stockage aussi, on a uniquement deux personnes à l'intérieur. Demain, pour les organisations, ce sera une organisation par une qui va rentrer dans le frigo afin de nouveau diminuer tous les contacts entre les personnes. Ça, c'est CollectMet, l'équipe qui gagne. Ah ouais, la solidarité, c'est vraiment interne. C'est interne, la solidarité. Ouais, et, pour moi, quand j'ai vécu ici en Belgique, CollectMet, j'ai trouvé une solidarité vraiment naturelle. Avec CollectMet. Pas seulement CollectMet, il y a plusieurs organisations. Donc, mais avec CollectMet, c'est plus sûr. Est-ce que ici, on fait vraiment de la solidarité? Ah ouais, ça c'est la plus solidarité. Ça me va tout droit au cœur d'être là chaque dimanche et chaque jour que j'ai le temps par rapport à ma disponibilité. Merci beaucoup à CollectMet. Ça fait 2 ans déjà que je viens quasiment tous les dimanches. Ça dépend, mais. On commence le dimanche, mais toute la semaine, ça continue en fait. Et on fait le CookMet. Il y a des gens qui ont besoin, qui sont vraiment dans des situations précaires, qui ont besoin de la nourriture. Donc après, on fait le partage et après, on cuisine ensemble. Alors bravo aussi pour votre prix. Ah oui, merci beaucoup. Oui, ça fait très plaisir. C'est pas un prix pour moi, c'est un prix pour nous, c'est un prix pour les bénévoles qui sont là chaque dimanche. Ils sont venus aussi aujourd'hui malgré le virus. Voilà, je les remercie du fond du cœur. C'est des personnes vraiment exceptionnelles.